Hola tout le monde. Hola. On est trop contents et on a trop hâte parce qu'en fait, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls Français à être aux Philippines. Il y a aussi d'autres qui sont à Manille et à Bacolod. Ce week-end, on va rejoindre nos copains de Manille. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On a loué du coup une villa, enfin une grande maison pour du coup 16 personnes. Nos sacs, le sac est fait. Mon sac est fait. Et du coup, et bah, c'est parti. Ouais. Al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Alors, petit changement de programme. Ceux de Manille, nos chers amis, là, finalement, il y a eu un imprévu, donc ils pouvaient pas venir aujourd'hui. Sauf que nous, on était déjà sur la route quand on l'a su. Vu qu'on va pas payer genre une maison pour 16 à 4, ça nous reviendrait trop cher. Du coup, bah, on a appelé Super Dundun et il nous a trouvé du coup un petit endroit pour rester pour cette nuit. Donc voilà. Et après, demain, du coup, on rejoint cette fois-ci véritablement les autres dans la villa. On attend à manger parce qu'on a. Et c'est très particulier comme hôtel parce qu'on a une très jolie vue, mais en fait, juste autour, on est vraiment genre dans les quartiers pauvres. Et en fait, je pense que c'est ce qui arrive beaucoup, mais ce que sur les réseaux, les gens ne montrent pas, c'est que, ok, genre, ils sont dans des trucs un peu paradisiaques et tout ça, mais autour d'eux, c'est la vraie vie, et la vraie vie, bah, c'est pas ça. Ouais. Donc, je trouve ça cool aussi de s'en rendre compte. Là, nous, on est là, voilà, trop cool. Superbe vue sur la mer ici, là, trop bien. Là, voilà, juste ici, c'est un petit peu la réalité des choses, quoi. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Attends, là, regarde. Hop, là, je suis dans les réglages. J'augmente le son. Partager la réalité des réseaux sociaux et de ce que vous voyez sur Instagram, sur YouTube, etc. Genre ça, ici est trop beau, comme ça, la piscine, ouais, ça c'est Insta et tout. Mais regardez quand tu retournes l'objectif. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça, enfin, c'est pas du tout la réalité. Juste être conscient qu'on a de la chance en France, c'est aussi une façon d'être reconnaissant de la vie qu'on a. Elle était maquillée comme un star de ciné. À côté au jukebox, na, 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 na. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Voilà. Na, 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 na. Elle semblait bien dans sa peau. Je suis seule dans la chambre, les copains ils sont partis manger. Après demain, je sais pas trop comment on va se débrouiller pour retrouver les autres, mais voilà quoi. Ici la voix du montage. Tout ça pour dire qu'en gros au final on n'est pas du tout allé dodo. On a rencontré des petits philippins qui sont maintenant nos besties. Ils nous ont proposé de les rejoindre. Et bah du coup on a accepté et du coup bah on a grave sympathisé. On a passé la soirée avec eux et tout. C'était donc très, voilà. Très sympathique. Et du coup bah après on vous laisse découvrir la suite de l'aventure. Let's go. Je suis la seule levée pour le moment. J'attends tous les autres copains qui viennent de Manille. Donc j'ai trop hâte de les voir. Et genre là c'est trop trop beau. Je vous le montre.
mais l'autre c'est qui? Thanks, Dundun. Attends, j'ai thank you, Dundun, for everything. Because thanks to you, we meet really, really nice people. And we know that we're gonna keep in... Okay. So on va keep in touch with them. Genre in Manila. Because I studied in Manila. Là, c'est l'hôtel, et là, il y a des gens qui vivent là. Voilà. C'est vraiment genre juste à côté. Donc, on voit un peu la réalité des choses, quoi. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino.